Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, l'odeur de malade. On a des macs. De la team. Lundi matin, je n'étais pas en vacances, week-end prolongé de 4 jours, je n'étais pas en vacances, j'ai travaillé vendredi, voilà, donc commencez pas. Vous me dites, mais Steph, qu'est-ce que tu fais dans la pièce de stream? Il y a Alex, je suis en train de te rattraper, fais gaffe. J'ai vu plein de commentaires qui disaient qu'Alex, il était drôle. Ce soir, on a PA Zerator pour un open world, ça va être génial, mais avant, Zera, il doit caster une de ses games de son équipe Mandatory sur Valo, donc du coup, on va lui réinstaller tout ça pour qu'il puisse stream et cast la game. Voilà, à toutes. Yo la team, nouvelle semaine, qu'est-ce que j'entends pas avant de prendre la cam. Aujourd'hui, je suis trop fraîche. Bon, on note mail. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit aujourd'hui je suis trop fraîche? Non, elle a pas dit ça. Bon, okay. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu viens m'embêter? Parle-moi, qu'est-ce que... Ce soir, on a Zera, on a les piliers du Twitch Game, comment on les appelle. On a Zera, Thor et Domingo. On a préparé plein de questions sur Twitch, le futur de Twitch, de YouTube. Ouais, des débats. Le passé, le présent, le futur, le succès de chacun. Mm-hmm. Après cette semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre soirée où on aura du coup Jonathan Cohen et Mr. B. Alors ça aussi, ça pèse. Hein. Ça rigole pas du tout là. Est-ce que vous avez vu le flambeau d'ailleurs? Parce que moi j'ai regardé toute seule. Ouais. Par contre, je l'ai pas fait avec des gens, c'est chiant, trop bien. Ok, bah écoute, du coup, grosse semaine en perspective quand même. Toi là, t'es sorti d'une grosse phase très chiffre. D'y penser, ça me. Ça te refait des frissons. Ça me rend anxieuse en fait. Oui, je suis sortie de bilan comptable, je suis sortie de beaucoup de pression, d'analyse financière, de tout ça. Et de quand ça concerne tout ce qui est finance et tout, c'est pas rigolo. Mais voilà, c'est pour ça qu'on peut pas trop montrer aussi toi ce que tu fais, parce que de suite, ça touche à des choses un peu confidentielles, tout ça. Du coup, t'as repris la clope ou pas? Non. Combien de mois là? On est le 30 mai. Ça y est, on a passé les 3 mois. Et je vois aucune différence. On peut mettre un vlog de mon visage pendant que je fume. Et je trouve que ma peau n'a pas changé. Ah, moi, ma mine n'a pas changé. Je trouve un peu aussi, moi, par contre. Par ici, est-ce que t'es en réunion? Non, moi, okay. Je suis en train de bosser sur Master Quiz. Ouh. Le retour du Master Quiz. Regarde-moi ce doc. Voilà, donc ça, c'est l'édito, les gars. Est-ce que le vlog sera sorti quand ça sera fait ou pas? 20 juin. Non, je pense pas. Je crois que ce vlog, il va peut-être sortir genre 2 jours avant, genre. Est-ce qu'on est trop fort en calcul, Andréa? Ouais, je pense que ce sera un truc comme ça. Peut-être la rentrée, on a un projet qui aboutit et franchement, je traite. Bah, c'est let's go ça, en plus, hein, c'est patate. Un petit tease. Vas-y, un mini tease et tu dois toucher le Nejika quand tu le dis. C'est quelque chose que les viewers pourront voir sur Twitch à la rentrée. Monsieur Emric, ça va, t'as kiffé? On a sorti le vlog là, première apparition. Alors, c'est quoi les premières impressions là? C'est trop bien de se voir. En plus, c'était vraiment la première minute. Ouais, que t'es arrivé, vraiment, je suis arrivé 30 minutes et. Un peu là, la petite caméra. Non, franchement, c'est cool. Un petit peu d'appréhension quand même. T'appréhendais? Voir un petit peu comment ça rendait, mais franchement, c'est cool. Et puis, c'est juste le début, donc ça va. Du coup, là, qu'est-ce que tu nous prépares de beau pour cette moi, semaine? Moi, je prépare là le planning de la semaine, surtout Soirée La Flamme avec. Le flambeau, Emric. On passe à du coup. Je ne te parlerai pas du coup, monsieur Alexandre. Je ne te parlerai pas. On a perdu le meilleur employé de la semaine, c'est comment? Le meilleur employé de la semaine sur toute l'année est malade. Il se sent pas très bien aujourd'hui, il est resté à la maison. J'ai quand même passé bronze 3 à argent 1 là depuis ce matin, mais je veux pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, qu'est-ce que t'as à me dire? Que vendredi. Mais non! Non, là j'ai un enterrement de vie de garçon. Ok. Donc je pense que faut que je voie avec la patronne, mais vendredi je vais partir. Tu me montres à quoi ça ressemble les négociations avec la patronne pour tes. Mais le vendredi je pars à midi! Donc voilà, quand on a une patronne super gentille. Ça a l'air vraiment de marcher. En fait, ça m'étonne pas, je devrais le faire plus souvent en fait. Mais vraiment, c'est pour ça que je pars toutes les 3 semaines en vacances. Mel, je suis pas là toute la semaine pro! Arrêtez de crier là! Vous êtes nombreux à nous mentionner sur les différentes news qu'il y a pour l'ouverture des frontières au Japon. C'est très gentil de votre part. Sachez juste qu'on ne partira pas en 2022. On espère pouvoir partir en 2023. On verra d'ici là la situation sanitaire. Septembre, octobre, novembre, décembre, on a d'énormes projets de prévus. De plus, c'est pas la saison sur laquelle on souhaite partir au Japon. On souhaite partir au printemps. Mais j'espère que 2023. Mais quoi qu'il arrive, la date entre guillemets est actée pour. Enfin, on aimerait partir en 2023. Tout à fait. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Normalement, tout est setup. Regardez-le, il est trop beau. Salut tout le monde. Petite note sur mon outfit franchement, alors le haut, en fait, 10 sur 10. Ça c'est la triche, ouais mais ça c'est la triche. Voilà. Ça se voit t'es un streamer. Exactement, totalement. Un vrai streamer n'achète que des fringues pour le haut. Le bas, mec, normalement c'est short, c'est tout, valeur surtout là. Non, la chemise 10 sur 10. C'est rare que je m'habille en blanc. Hein, regardez qui vient d'arriver. Alors, on prépare la soirée du lundi, on a les pitchounes qui rendent visite là. C'est quoi cette dinguerie là? Ils sont venus juste pour faire un selfie avec Coco. Oh la Rosta. Oh ça va la Rosta? Oh là, il y a une Rosta qui arrive. Elle a besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe ici là? Mais je cherche sur la photo. Cheese. On doit faire un match de défi dans la journée et il y avait prendre une photo avec toi. Vous êtes venu juste ici, juste pour prendre une photo. Voilà, et on rentre. Ah ouais, vous avez une vie, allez.
Bon bah bonne journée alors, hein. Bah, arrêtez plus que ça, hein. Bonne journée, hein. J'ai hâte d'être à la Love Room. Regardez le visage de quelqu'un qui bosse jour et nuit. Là ça bosse dur, j'ai l'impression. Jour et nuit, vous croyez que la G-Corp ça bosse les compos sur TFT. Non mais je balance direct. C'est là qu'il est honnête. Pour mon plaisir. Lui il doit être au fond parce que tu sais, il veut du contenu et tout, il veut que j'aille jouer à... Ah moi je suis au plaisir, au match. Il veut jouer avec Trivia, machin, tout ça. Aussi des événements, des trucs. Il veut que je joue avec Inox. Mais oui, 15 heures de TFT, c'est bon. Hors live. Hors live. Eh mais regardez les gars. Et là c'est Zera. Et regardez où il est en vrai de vrai. Il est là. Et après regarde, regarde. Oh. Autre la honte, ça fait deux fois que je me tape la honte aujourd'hui, j'en ai marre. De faire des escaliers derrière. Mais, oh là là. Le problème c'est que je sais pas bien les faire. Est-ce que là c'est bien fait non, ou pas? Mais tu ok, vas-y. Là ils s'entraînent. Hey, ils sont catastrophiques alors c'est génial. Vas-y, fais-les. Attends, maintenant. Ok, vas-y. N'hésitez pas. Ah. Bon, ça va, il le prend bien. Alors, l'émission va commencer. D'ici quelques minutes, les mecs sont partis s'équiper, mettre leur petit micro, etc. Et moi, je suis venue récupérer des petits tumblers pour leur mettre leurs petites boissons, Red Bull, eau, ce qu'ils veulent, pendant l'émission. Donc ça se présente comme ceci. On sort notre joli tumbler, hop là, qu'on déballe. Et on a une petite paille qui est fournie avec, rouge. Je leur ai pris les deux modèles différents. Le modèle avec la liste et le modèle avec le pattern. On va mettre de l'eau fraîche dedans et puis on va leur descendre pour l'émission. Je reprends le titane de parole. Tu y vas, Zera, c'est vraiment bien cet espace. Hein. Bravo, hein, voilà, je voulais passer un petit peu, m'accorder un petit peu de temps d'antenne. Juste envie de vous féliciter, voilà, c'est énorme. Enfin, le boss PA quoi. Et fuck Steph. Oh, mérité. Fuck Steph toi aussi? Non. Non, non, ça va. T'aimes bien Steph? Franchement, je viens pas trop locaux donc en fait, du coup. Tu suis par les blocs. En fait, plus t'es loin des locaux et plus t'aimes bien Steph, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est quand il y est beaucoup vraiment. Moi, je le déteste de fou, genre. Ouais, Cam aussi, Mel aussi, Elise aussi. Et du coup, le vrai Steph, c'est plus nous ou plus toi qui le vois? Moi, je le connais depuis plus longtemps. Mais en fait, du coup, moi, j'ai des dose de Steph, mais à trop grosse dose effectivement peut-être que c'est un peu comme tu vois, tu vas dans une boulangerie, il y a des pâtisseries, t'as super faim, là tu veux tout prendre. Le problème c'est que quand tu prends trop de petits sucreries comme ça, bah, au bout d'un moment t'es gavé, t'es écœuré du truc, t'es en mode je peux plus. Mais Steph c'est quoi, c'est un éclair au café raté? Non, je pense non, pas un truc écœurant vraiment quand t'en as un Paris-Brest, je pense. Ouais, Paris-Brest, je kiffe ma race, j'en prends juste un seul, deux. Après ça commence à... Oh là là, elle me montre pendant qu'il y a la caméra. Oh là là, du coup qu'est-ce que c'est, Cam? Tu veux lequel, Coco? Disponible sur la boutique, il y a le lien juste ici. Vas-y, dis-le le plus vite possible. Shop.gotaka.tv. Moi les gars, je suis Eminem un peu. Shop.gotaka.tv. Ok. Shop.gotaka.tv. Putain, on s'est fait laver le cul. Oh non. Match perdu, mais j'ai gagné de l'amour. Malheureux au jeu, heureux en amour. Alors, t'avais une tablette que Steph a pris, je sais pas ce qu'il en a fait, mais... Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle soirée du lundi soir avec une line-up exceptionnelle. Les OG du Twitch Game sont réunis ce soir, les dinosaures sont de sortie, mesdames et messieurs. On a Zerator qui est avec nous ce soir, Domingo qui est avec nous, deux superstars. Avec Gotha en plus, là, on a la triplette, là. On a le Twitch Game qui est résumé sur ce plateau, là. Bah arrête, dis pas ça, t'es en fait quoi. Il manque déjà Kamel et plein de gens, Il manque Amine, Billy, ce coup-ci. C'est vrai, j'ai pas un trône, là, j'ai pas un vrai truc. Alors je t'avais pas dit mais tu l'as perdu le trône. Oh non, non, j'ai pas eu le temps de remettre la tier list à jour. Ah grave, j'assume. C'est 1 minute 30 de live déjà. Pour l'instant ça avance. Il est au cœur de ça parce qu'il a monté son projet cette année, mais... Il y a quand même ce truc justement un peu plus sain qui s'est ouvert, ça a pu développer des projets. En France on a quand même un putain de Twitch quoi. Bon là la soirée se passe super bien avec Domingo et Zera, donc on va aller voir un peu en régie, Steph, Jeff, tout ça, à la réal, voir si ça se passe bien. J'espère que vous avez tous regardé l'émission et la VOD sur YouTube. Parce que je pense que vraiment elle vaut le détour cette émission, elle est vraiment cool. Il parle de plein de sujets super intéressants dans le gaming, sur Twitch, sur YouTube, sur l'avenir, le passé. Mettez les pouces bleus, bisous. Tu vois, si moi, demain j'ai le choix entre être en LEC avec tous les internationaux ou rester en France avec Kakorp Vitality, bah, je reste en France en fait. Aujourd'hui on vise plus les émotions, le storytelling, avoir envie d'être à notre échelle, plutôt que de vouloir gagner absolument le meilleur championnat du monde de Valorant. Bisous à tous, merci de nous avoir suivis. Salut. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ciao.
Chauffez-le là, chauffez-le à faire sa petite Timmy Sport Code, il crée le... Ah, je sais que t'avais parlé du stream. Ouais, chauffez-le à poser à poil aussi, ça c'est un autre sujet. Ça va, je joue. Des petites LAN, on commente avec Zank à l'ancienne. Dinguerie. Là, il y a un truc à faire. Et après, il pose à poil. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Frérot, si vous avez suivi l'open world avec Domingo Zera, ouais. On s'est lancé un petit défi pendant l'émission. Regardez le petit extrait. Déjà, là, il y a un billard en haut, moi je ferais bien une petite game. Oh là là, ça, vas-y, je suis chaud, petite game billard, je suis chaud. 2v2 pour 100 subs là. Très chaud. Et donc là, bah voilà, c'est le moment du match. Le petit billard 2v2, je vais être avec Domingo. Gotak est très fort. Il joue tous les jours. Et il joue tous les jours, c'est confirmé. Par un employé qui est la H24, qui est sûrement le meilleur employé de la G-Corp. Merci, voilà. Dwag. Oh. Mais je pense que les gens le pensent aussi. Oh. Je suis sûr que ce passage-là, il sera dans la vidéo. Oui, mais ça, c'est. Donc, du coup, là, c'est match. Match. Le perdant paye 50 subs sur chaque chaîne des gagnants. Quand j'avais 20 ans, on allait dans une salle à Montpellier qui s'appelait le Skill et on mettait des pièces de 2 comme ça. Après, on proposait des games pour 5€ aux gens qui jouaient en mode. Ah oui, mais toi, t'as un crack absolu du billard en fait. Non, pas du tout. Mais on faisait les loupards, tu vois. Mais t'es nul, toi, ou t'es fort? T'es nul ou t'es fort? De mes dernières rêves, je suis très correct, mais je pense que Gotha. Demande à Steve, j'ai dû jouer 4 fois au billard depuis qu'il joue. Par contre, lui, il est pro et je l'ai jamais. Oh, j'ai parlé. Oh là là! Oh, le move est fou! Oh là là, c'est dit! Oh, on a mis 50 subs là-dessus! Ce match d'anthologie. Ah, ça, les 50 subs, un partout! Okay. Oh la faute! Non, 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 non! Aïe, aïe, aïe! Bah non, impossible! Dans les règles, c'est à moitié! Ah, ça a été filmé! Ça a été filmé! La position, elle est au max là. Mais oui, monsieur. Oh, dommage. Oh, le billard, en finesse. Pour la vidéo. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, okay, c'est mal payé. Ah, mais en vrai, je vais faire un coup du foulard, non? C'est mieux, non? Mais non. Tu dois avoir quoi, oh là sur la table? Tu fais sur le sol, après tu fais ce que tu veux. Oh bah mon frère, attends. Putain, je vais te choquer. Non, mais c'est facile. Allez, gagne. Monsieur. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le carreau. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu tapes ta planche en haut, tu vises un peu plus en haut pour qu'elle avance et qu'elle vienne se finir mourir ici. Essaye de la placer et après tu finis et ça va être facile. Très mal joué. En fait, il a pas besoin de coups, lui. C'est ça qui est chiant. Après, t'inquiète, ouais. C'est Papier qui joue, donc on est bien. Là, vu que c'est Dwag, il y a un risque qu'il mette la noire. Donc, voilà, et la noire. Oh, oh, let's go. Oh là là, il a pris shot. Oh, il a pris shot. Oh, c'est beau, ça. Je voulais pas jouer avec lui, moi. C'est un hommage. C'est un hommage. Aïe, aïe, aïe. Et le pire, c'est que je te colle avant. Bonne soirée. Allez, salut, Dwag. Rugby, c'était un hommage, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite mésentente, je sais pas si vous avez entendu, mais en fait, il devait viser la poche et préplacer deux boules. Il a pas écouté la strat d'équipe, donc du coup, on est parti en yule à partir de là. Et... Il est nul à chier. Voilà. Il y a pas plus de. C'est qui paye, du coup? C'est le fautif ou c'est ça partage quand même? On va partager. Le plaisir du partage du côté de PA aussi, ouais. Non, 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 pas de... Bon, ce qui est bien là, c'est que du coup, on peut aller sur le chat de Zera et peut-être récupérer un petit sub. C'est quoi. Ça, et sur le chat de Coco aussi. Voilà là, le Dwagby qui se connecte à Twitch, qui part sur la chaîne en premier de qui du coup? Moi, je paye 50 à Zera et Domingo, il paye 50 à Gotha. Ça part. Terminé l'achat. Oh, Dwagby a offert 50 abonnements. Oh là là. Regarde, il y a du monde là. Il y a pas du monde, il y a un type. Ah, ça accuse Domingo directement. Nul. Merci pour les 50 subs. Regardez. Nouvelle journée, et là je vois quoi? Je ne veux pas te parler, Alex. Bah, parle-moi à visage découvert. C'est pas Mel du coup, ça c'est DJ Snake. C'est Daft Punk. Je t'ai dit que c'est bon, je ne donnerai plus de contenu sur ton vlog. Ton contenu sera le mien. Gale est toujours bloqué sur son highlight. Hein. Je leur dis, les gars, vous pouvez me faire un petit montage de nos clips, etc. etc. Et pourtant, je leur ai dit, ouais, votre prix sera le mien quoi. Et genre, ça veut pas. Evan, 100€, tu me fais un montage Frag Movie? Je sais pas. C'est pas assez? On va tous te dire la même chose, Mel. Quel que soit le monteur que tu vas aller voir, il te dira la même chose. Là, par contre, tu vas pas payer. Le calculez pas, lui. Ouais, mais de toute façon, j'ai bien moi, compris. C'est mon responsable contenu, tu sais, c'est lui qui me gère. Donc, ouais. Et mais c'est qui le gère? Elle te gérera pas, gros. Non, moi, j'ai une conversation, en plus, je peux faire leak ouais, des trucs. Ouais, c'est vrai, hein. Putain. Chef. Il parle en privé. La session Valo, il y a eu un petit échange, quand même. Il y a eu quoi comme échange? Moyen pression, mais il y a eu des mots, quoi. Il y a eu des mots forts. Moyen pression sur Mel, que tu as, du coup? Ouais. Tu veux dire que Mel, elle a dit mot pour mot que j'étais une grosse merde à Valo? Non. Mais les gars, vraiment j'ai cut la cam, elle continue. Moi franchement ça me semble un peu en vrai. Faudrait que je regarde, mais ça me semble peu de ça. Non, regardez là, continue. Tu continues hein. Mais laisse-nous tranquille là. Emeric, tu sais faire du montage toi, non? Pour combien? Regardez là, mais il y a des stories partout. 300. Mais on est pas potes ici, j'ai l'impression. Visiblement on est tous pas potes. Regardez là, elle déambule encore là, à la recherche de son monteur. Bon allez, j'ai pris une décision, je vais me mettre au montage.
Mais par contre, toi, on verra si je te coche encore une seule fois. Alors là, maintenant, tout de suite, tu me serres la main, t'es en mode t'es plus jamais ma coche, c'est ça? Tu veux ça? C'est toi qui veux me la serrer. Ah non, moi, je te tends la main parce que t'es en mode j'ai plus jamais coche. Sous mes yeux, tu vas voir Yann et tu lui fais t'es trop fort et tout. Puis juste après, Alex, t'es nul. Oh non, c'est ça en fait, les gens. C'est ça le problème. Okay. C'est ça. Il est possessif, il est jaloux, le petit Alex. Et moi, quand j'ai mon coach, il est là pour me coach. Moi. Mais je t'ai coach toi. Le problème, Alex, par ma sauté. Tu meurs tout le temps. Après, on se retrouve tout le temps sur ma pauvre. Le scoreboard. Yann à la place de Alex dans 6 mois. Steph, j'abuse ou pas? Que quoi? Que hier, genre vraiment, elle me descendait et Yann était en mode. Non. Très honnêtement. Alors, très honnêtement, c'est vrai, tu le descendais, mais c'est le rôle du coach. Mais par rapport à Yann, t'étais le premier à refaire Mel. Ah oui, oui, oui. Ouais, ah, bravo, non, mais Yann. C'est trop fort, Yann. Eh, vous me fatiguez cette semaine. Eh, tu sais quoi, pour la peine, petit jour de repos vendredi. Je sors la cam carrément. Gotaga Corentin, à défaut de beaucoup participer dans les vlogs, a dit cette chose. On vous met le clip de suite. Après, ma soeur. Pour l'instant, dans les privés, ça reste un easy duel. Hein. Peut-être la pression, je pense, c'est la pression du grand frère. Oh, la dinguerie qu'il a dit, Coco. Tout le monde vient d'entendre. Il a dit que t'étais un easy duel sur Valo. J'ai rien à dire. T'as rien à dire? Je sais pas, juste avant que je prenne la cam, t'as dit faut savoir que Corentin, c'est un. Vraiment, il est tout claqué. Je le fous droit, genre à Valo. Qui te dit qu'elle a dit ça? Y a pas de preuve. Ben, moi, j'ai dit ça. 1v1, Mel versus Corentin. Je vais le détruire en 1v1. Ah, c'est bon là? La preuve, elle est suffisante ou pas? En 1v1, je pense qu'il me joue pas. Ouais, parce qu'en fait, lui, il parle de quoi du coup? Il joue pas à l'aim, il joue plus au brain où il va se mettre dans des petits corps. Ou des positions incongrues, il le sait, il le dit, il l'assume. Voilà. Mais en 1v1, il a pas de chance. Genre. Il va avoir des kills, tu vois, mais je pense que je le détruis. Ouais. Si vous êtes chaud pour une soirée 1v1, Mel versus Coco, dites-le en commentaire. Bon, les gars, nouvelle semaine, on va voir du côté d'Yann, du coup, nouveau best-of. Nouvelle semaine, nouveau best-of. Ouais, comment ça se passe cette semaine, Yann? Ça se passe très bien, j'étais pas là lundi, faut que je rattrape le retard. Bah, c'est quoi cette semaine? On a un peu de tribunal. On a du tribunal, un peu de Warzone, un tout petit peu. On a des gros mots. Des gros mots, ouais, c'est vrai. On a du Roller Champion. Ah, Roller Champion, c'est vrai. C'est vachement cool à monter parce qu'il y a pas mal de trucs à faire avec des ralentis. Vu qu'il y a... Après, comme il se passe beaucoup de choses, il y a moyen de faire des ralentis sur des actions un peu stylées. C'est beaucoup plus visuel que du TFT par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah écoute, incroyable. Ça charbonne quoi qu'il arrive, quelle que soit la semaine. Bisous. Bah, au pire, il y en avait que deux dans le paquet. Ça va, Élise? Non, c'est pas ça. Oh, la blague, y'a rien qui est venu. Non, je voulais faire une panne, mais c'était trop tard. T'aurais dû me filmer, genre en mode je cache un peu, tu vois. Waouh, y'a rien. Y'a pas de séquence qui sortira dans le vlog. Oh, y'a rien. Vous voyez, les gars, ce rush, on va le garder. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple parfait des vannes de Stéphane qui fonctionnent pas. J'ai pas enchaîné 5 blagues super drôles juste avant. T'as enchaîné beaucoup de blagues drôles, mais c'était pas filmé. De toute façon, moi, je suis un mec qui fait des blagues tout le temps, pas que devant la cam. Hein, monsieur Yann, l'employé du mois? Bah, déjà. Alors parce que Yann, il rend trop bien la caméra, genre. Aujourd'hui, je suis venu, je suis en vacances. Ouais, j'allais faire ma vanne, mais. Là, tu penses que les gens ils ont rigolé de. Je fais confiance à Optix, il sait très bien mettre en valeur mon humour. Ma mais. Je crois juste à rien parle. Faire. Et... Ça se parle entre monteurs. De quoi? Faire. Hello darkness, my old friend. 2 minutes que je dis des phrases qui n'ont aucun sens pour ce moment. On a renversé le truc, ça y est, Yann. Yann, reviens. Yann, il y a le best-of à monter, frérot. Yann, attends. Oh les gars, on a perdu un employé. Il est vraiment parti, hein. Tu penses que là, Corentin, il va grave rigoler, et du coup, tout le monde va dire Yann sous-côté, Yann le plus drôle, Yann il prend des places. T'es un peu jaloux. Quoi? Jaloux. Ça filme toi. Moi, je dirais que c'est le visage de la jalousie. En fait, j'ai compris ce qui se passe. Avant, t'étais le chouchou de tout le monde, le chouchou de Coco, mon chouchou aussi. Attends. T'es en train de perdre ta place. Pour Corentin, ça, j'ai bien compris que j'avais perdu ma place. Ouais. Mais par contre, là, t'es en train de m'annoncer quelque chose. Et c'est qui m'a remplacé? Je préfère rester silencieuse à ce sujet. Quoi, tu regardes Yann quand tu dis ça? J'ai regardé vraiment tout l'open space. T'as d'abord regardé Yann en tout premier, puis après t'as regardé là-bas. Je n'ai pas d'amis. Triple champion du monde de lancer de sombrero en 84 au Pérou. Ok, vas-y. Si t'es un mec chaud, sur la caméra. Oui. Ah, dommage, mon ref. Mel, tu préfères qui entre avec tes mois? Regardez comment ça a bien m'aller, tous les chapeaux me vont. Prêt? On dirait elle va nous préparer deux gros burritos là, incroyable. En fait, je pense qu'il faut que Mel elle travaille pas une heure dans la journée pour nous faire des séquences vlog. Elle est trop forte. Dès que Mel elle travaille plus, on a voilà les séquences. T'as kiffé mon ouais. Moment? Viens, on fait un plan tard les fous, tu passes à travers les plantes. 14h30 et tu pars? Eh bah, t'as pas honte, Yann? Après, ça parle de Steph qui est toujours en vacances? Bah, il fait beau dehors la team. Gazé, merci Elise. T'es content? Bah ouais. C'est la cacor. Merci côté le frère. En plus, tu sais que moi, en avril 2020, dans le Inside J Corp 5, j'ai dit vive la KC. Hein. Avant tard l'époque. Ouais. Avant. Petit mot de fin. Vive la KCorp. Regarde ce qu'il a eu, Coco. Wow.
Oh là 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 là. Elle est beau celui-là. Et ça aussi pour Coco. Petit t-shirt, petit pull. Et Steph, il a tout acheté. Il a bien fait de tout acheter parce qu'il n'y a pas sa taille. Chef pour lui, c'est bon. Chef, Steph. Yann, tu peux nous faire ton essayage là? Parce que Yann, je lui dis, tu rentres dans du S. Il m'a dit, ouais, je pense, avec mon corps. Il a pas fini la phrase. Oui, mais il va nickel. Bien sûr, ça va trop bien. Oh là là, le gars, pourquoi ça nous va trop bien? C'est pour ça que ça nous va trop bien. Oh là là. Qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Regardez la bosse, elle est là, la bosse, elle est là, la bosse. Je suis trop contente, je suis trop contente. Qu'est-ce que t'as reçu? Oh là 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 là. Ah, je suis trop contente. Merci, merci, la caca. Je vous aime de ouf. Et Elise, elle a une grande nouvelle là. Ah, le casse-X. Bah, c'est bon, j'ai vu avec Flo pour les places. Let's go. Oui, on va casser XXXXXX. Vous l'entendez ici en premier, mais ça se trouve à tout moment. Il y a une équipe Valorant féminin caca. Oh. Oh my god. Et à tout moment je suis dans le crew en fait. Ah, je pense qu'il faut accélérer le montage mixant là. Là faut lâcher le budget. Ouais, hein. je pense. Faut investir. Vous l'entendez ici en premier. Et si jamais un jour ça arrive. C'était ici en premier. Ah, c'était ici en premier. Dans ce vlog. Ça. Qu'est-ce qu'il veut Alex? Pourquoi il prend la cam? Qu'est-ce qu'il veut me casser les pieds là? Je l'avais un du vlog. Viens la voir. Oui, avec plaisir. Allez bah, mousse, lavez un. A trouvé un extrait de Squeezie qui dit est-ce que c'est bon pour vous? T'as les yeux bleus en fait? Oui. Comme elle en a rien à foutre. Tu peux le tomber, s'il te plaît. Mais où jamais moi, mais je suis au foot avec lui, gros. Je le vois plus souvent que toi. On est à la finale de la Ligue des Champions, on va être habillés par PlayStation. Je les ai tous paqués, eux. J'avoue que je t'es trop fort, Andreas. Un compliment chacun sur Andreas. Sur Andreas, le monteur des vlogs. C'est moi, wesh. Andreas, trop fort, très bon choix, super dynamique. Non, pas ça. Pourquoi tu parles de... Tu dis de complimenter et tu me parles d'argent. Un compliment sur Andreas. Non, c'était pas mal. Un compliment sur Andreas. Andreas, il sait déjà ce que je pense de lui, il sait que je l'adore. Franchement, la vidéo a été incroyable. C'est un génie, c'est tout. C'est juste. C'est les émotions, en fait. Shifumi. C'est pourquoi. Bah, tu verras après. Okay, okay. Shifumi. Yes. Tu passes l'aspirateur, il y a du truc partout. Toi, tu gagnes tous les chifoumi importants, toi, en fait. C'est un peu l'apprentissage de la vie. Il va y avoir une petite musique mexicaine en fond, là. C'est la fin du vlog, du coup, là, parce qu'on est vendredi. Donc, fais-moi une transition en mode comme ça. Non, attends, je suis de faire. Et là, ah, tu ouais. recules. Ok. Nope. Mais non, c'est cancel. Ça record là? Ah, yo l'équipe, on est samedi et on se retrouve pour la minute de Yann. La minute Yann. Ta-ta-ta-ta. Ce qui se passe, c'est que on est samedi. Qu'est-ce que je fais au loco? Et ben, comme je suis teubé, j'ai complètement oublié de récupérer tous les fichiers pour finir les modifications du best-of chez moi. Du coup, je me retrouve au loco pour les terminer. Je suis venu à pied, il faisait super beau ce matin. Donc, je suis venu vraiment en mode été quoi. Là, on est 4-5 heures après le départ de chez moi. Bah, le temps a un peu changé. Le football, il a changé. Il y a des méga orages en gros. Moi, je vais devoir rentrer à pied. Bon bah du coup on se retrouve lundi quoi. Yes. Ah bon, il va peut-être faire un call en mode on va jouer dans une vraie partie tu vois. Ok. On va tous être nuls au pire on en fait une. Tu joues pas à Fortnite du tout? J'ai joué. On fait une, je vais être plante. Mais je sais pas construire les cabanes. Les cabanes, comment les gars, j'ai jamais compris comment ils construisent les cabanes. Non mais je vois des gars construire des immeubles et ils ont besoin pas des immeubles. Parfait, on va faire des cabanes. Mais comment il faut? Faites-moi les cabanes et moi je shoot. Mec, regarde ce qu'ils ont fait. Oh lourd. Lourd de ouf. Incroyable. C'est fou. Et à la salle des Moritos aussi. Ouais. Ah, incroyable. Mais mec, Lulo, c'est Moritos. Incroyable. Mais non, trop bien. Trop bien. Même l'épisode... Le 9. Bah non, même le 8, j'ai rêvé. Ouais. T'as fait... Et en plus, pas... T'es pas. Là, j'ai vu, ouais, trop bien. Mais DJ. Il parle en langage codé. Ouais, c'est ça. T'as vu les beaux forex, Coco? Ouais, ils sont super beaux. C'est trop bien, le décor, il est trop bien en adéquation. Hey, bonne émission tout le monde. Bah merci. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce live qui ressemble à lundi, mais non, on n'est pas lundi, on est dimanche et on est là ensemble pour mettre en avant quelque chose qui se passe depuis quelques semaines déjà sur Canal. C'est le flambeau. Il est là, Marc est là, mesdames et messieurs. Salut, on est sur le chat. Jonathan Cohen nous fait le plaisir d'être avec nous et Yvick, Mr. V. Alors là, messieurs, vous êtes en 2v2. Si vous tuez les deux derniers, on a gagné. Avec Gotthard, on ne fait plus rien. Là, non, c'est moi. Juste là. Vivant, c'est parce que vous on êtes là. On fait plus rien, c'est à ouais, vous. C'est moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Vous êtes 2v1 même. Vous êtes 2v1, c'est le dernier. Tuez-le, on fera rien. C'est vous, Yvick, Jonathan. Voilà.
c'était fantastique. Les gens sont fous. Qui a dit que c'était impossible? Putain, c'était bien, c'était bien. Tu sais que c'est exceptionnel de top 1. C'est vrai? Mais vraiment. Non, mais gars, on a fait un top 1 en live. C'est une photo tous les quatre, on change de live là. C'est rare les projets où tu fais autant de... Tu dis autant de la merde. Il n'y a que de la vanne, que de la vanne, que de la vanne. Ça va ? Un gars qui a parlé très fort dans le micro. Avec toi, il a envie de faire pipi, il a dit Joe. Il a envie de faire pipi. On l'a entendu, gars. Il a mis le volume 12. Il a envie de faire pipi, Joe. Contact, contact. Gars, tout est un jeu vidéo, comment il se parle. Alors, je vais sep et je vais vous répondre. Allez, à tout de suite. On rigole vachement, c'est où les toilettes ? Je suis d'accord. Ouais, ouais. Oh, il est en train de pisser par terre. Bon, j'ai pissé un peu partout. J'irai pisser certainement demain matin. Regardez, la dextérité de Dexter. Il veut te déconcentrer, il veut forcément te perturber. Mais t'es plus fort que ça! C'est un 10! T'as fait le pire. Pire Let's go! Elle est 10. Oh, le tir pété! C'est ça que tu nous donnes? Bon, dommage. Bah j'ai gagné. Et effectivement, la victoire est pour Jonathan Cohen et qui est Marc qui l'emporte. Il a gagné dans le chat. Alain, votre vous, 450 euros cette somme, elle est folle, elle est pour vous. Officiellement, je suis devenu un archer après être passé ici. Porte comme ça. Quel kiff d'être un archer. Viens comme ça et fais-nous juste un petit saut ici, tu sais, le petit saut du... Oh, moi j'aime bien. Non, mais t'as les gars. On a tout fait pour que vous ayez tout simplement le choix de l'utiliser comme bon vous semble. Moi j'ai écouté ce que vous avez dit, parce qu'il est aussi cadreur. Là actuellement, celui qui fait le cadre caméra, c'est actuellement Jonathan Cohen. Voilà, et là c'est bien cadré. Mais mettez-la, voilà, c'est pas grave. On a les imperfections, on aime, on aime. Mais fais souffrir les gens, voilà, fais souffrir. Là ils vont vomir les viewers. Voilà, là on est bien. Là j'ai mis le anti-zoom. Ouais, l'autofocus. L'autofocus. Voilà. Résultat. Prochain rendez-vous? Les gars, moi ce que je vous propose, c'est qu'on a démarré cette émission sur un cri de guerre. On peut la terminer là-dessus. Exactement. C'est quoi déjà? C'est quoi déjà? C'est Pizza Gaming. J'espère que vous avez kiffé cette journée. Merci Canal. Allez regarder le flambeau. Merci à Evic. Merci à Jonathan Cohen. On les attend très très vite. On a fait top 1. Vous voulez? Grand kiff. À très bientôt. Ce mec a fait top 1. Non, il s'est pas le seul à avoir fait top 1. Il est sa soirée sur 10. Un bon 9, c'était vraiment cool. C'était cool, c'était cool, chill. Non, super bonne ambiance. Hein. Il me fait super rigoler. J'ai même du mal à différencier Jonathan de Serge, de Marc. De... Oui. Quel kiff, les gars. C'était trop sympa. Franchement, très sympa. Par contre, le tapin, je m'y attendais vraiment pas. Ouais, mais ouais, c'est rassurant en fait. Et vu que soirée, soirée, ouais. Suivez-nous, suivez-nous. Moi, je vais derrière comme ça. Ils construisaient des maisons, des cabanes, des délires. Ouais, ça, par contre, j'ai toujours pas compris comment vous faites. Mais gars, tu crois que quelqu'un sait aussi. Ami, je te vois pas. Ok, parfait. 3, 2, 1. Parfait. Merci. 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 Je filme le vlog en même temps. Par contre, sur YouTube, ils vont nous allumer parce qu'ils vont voir que c'était full de mecs nuls ou des bots. Quoi. Oui, j'ai bien aimé par contre. Bravo à toi pour une fois. Parce que j'ai tué quelqu'un, c'était un bot. Tu dis non. Je suis en mode merci. C'était giga des bots. Oui. Mais c'est bien parce que d'habitude, t'es giga premier degré en mode. Bah oui, c'est des bots. À un moment, il y avait un bot qui a dit oh, c'est quelqu'un qui joue pas beaucoup. Ouais, ouais, franchement, bravo. Mais au moins, Mr. V, il croit qu'il a vraiment tué deux personnes. Alors qu'il a tué personne. Vous avez vu, on est de parole. On a dit qu'on allait signer les cadeaux. Regardez. Non mais au cas où, il y en a qui doutent, oui. Regardez. Mais il a mal signé. Ouais, bah le stylo est pas incroyable. Mais... Ouais, mais il signe mal avec le stylo mal signé. Il va nous les dégueulasser. Hey, ils sont en train de te passer en live, frère. Ouais, t'es dans la playlist. Petite stream. Le petit feat avec TNK. Exactement. Qui passe bien. Même le feat avec Jules, avant, j'ai entendu. On est bientôt single diamant, en plus, donc... Let's go. Ça peut me rapporter... Cliquez, cliquez, cliquez. Non, avec plaisir. Ça raconte quoi cet été, là, pour toi, alors? C'était... Des trucs de prévu, une taf, ou tu vas... J'ai pas de gros trucs de prévu, tu vois, okay. Ça va être plus, je vais jouer un petit peu, on va prendre un peu de vacances. Les saisons, surtout, ça reprend en septembre, ça se finit en juin, et l'été, c'est un peu... Je sais pas si nous on les signe, on laisse que les deux vrais artistes le faire. Moi, je pense qu'ils s'en foutent de nous. Hein. Non, ils sont contents. Moi, je pense, je suis assez dégueu. Vas-y, on laisse que les deux. Oh, arrêtez, voilà, vous nous direz dans les commentaires si c'était une bonne idée ou pas, on vous laisse que Jonathan Cohen et Mr. V, parce que c'est la leur, ça. Oui, mais bon... Dites-nous si on a eu raison. Oui, elle m'envoie, top 1. Ça, j'ai pas fait de kill. Aucun kill n'est réel. Après, top 1 avec Gotagadou. Oui, voilà. Mais vos kills, les gars, quand même pas mal. Hein. Pour la commu, pour les gens. A dit PGM, il l'a cité. T'as fait combien de kills, toi? Deux. Waouh. Ah, c'est pas zéro, hein. Non. Allez, bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, à bonne nuit. Et du coup, le truc est cassé. Donc voilà, je sais pas si c'est moi ou. Je peux. Ma graisse, c'est une malade. Yo la team! Oh merde! Mais ça va pas ou quoi? C'est quoi votre belle? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais un faux camp. Jota! 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 Mais c'est ça!